Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les actions américaines étaient plates vendredi après que le président Donald Trump a demandé l'implantation de tarifs de près de 200 milliards de dollars sur les produits chinois. Le dollar australien a baissé cette année malgré une bonne performance économique nationale. Sa chute pourrait marquer une pause cette semaine. L'or continue son comportement étrange, baissant alors que le risque augmente, augmentant quand les marchés augmentent. Les positions restent majoritairement longues. La paire livre-dollar a perdu 0,3% sur la dernière session, le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,1. La paire dollarienne a affiché de légers gains sur les deux dernières sessions, en hausse de 0,7%, le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 3,0. Le cours du pétrole brut a exécuté une correction mineure, gagnant 0,4% sur la dernière session, le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 1,2. Le cours de l'or a connu un fort mouvement baissier, chutant 2,9% sur les deux dernières sessions, le SSI reste très biaisé, montrant un ratio acheteur-vendeur de 7,0. L'indice Redbook aux États-Unis sera publié à 12h55 GMT, les livraisons de produits manufacturiers au Canada à 12h30 GMT, l'indice NHB du marché de l'immobilier aux États-Unis à 14h GMT, l'enchère des obligations à 4 semaines aux États-Unis à 15h30 GMT, les flux TIC totaux nets aux États-Unis à 20h GMT, et le stock hebdomadaire API de pétrole brut aux États-Unis à 20h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce mardi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.